Mesdames et messieurs, tout de suite, on va regarder une vidéo. Combien de milligrammes, de kilos, de quantité on doit prendre de quelque chose avant de mourir? Voilà. C'est complètement con, mais on aime apprendre ici. Évidemment, ce stream est éducatif. Alors, il faut 20 000 mg de CBD pour mourir. Ok? Ok, très bien. Ah! Ah putain, M&M's. 2552 M&M's pour mourir. Incroyable. Donc, je vous montre le titre. Hein. Combien avant que ça vous tue? Combien que ça vous tue? Ah, de la sauce soja. Attends, ça fait 2 litres 5, c'est ça? 2500 millilitres, c'est 2 litres 5. Hein. Ah, 2 litres 5 de sauce soja, il faut y aller quand même. Hein. 2250 piqûres de fourmis. Ok. 10 water. 700 pieds. Merde, ça fait combien 700 pieds? Font chier, ces ricains. Ça fait 213 mètres. À 213 mètres, tu meurs. Ok. Ok. Du thé. Après 250 tasses de thé. Ah bah oui, il y a de l'excitant dans le thé, ouais. Il y a de la ouais. La caféine. Overdose de caféine. 250 tasses de thé. Ça fait pas mal quand même. Hein. Comment tu vas, Matisse? J'aime bien ces vidéos à la con. On en regarde de temps en temps. Ok. Alors ça, c'est trop technique. 150 décibels. 185 décibels, tu meurs. 150 est assez pour faire exploser tes tympans. 185, organ failure. Ah ouais. Ah ouais, quand même. 150 milliampères, donc 15. Ouais, 150 milliampères. Tu meurs, moi ça je le savais. Donc voilà. Voilà, 250 au lit iced tea. Exact. Mais non, il n'y a pas de caféine dans le iced tea Hungerfist, puisque le holy, il n'y a pas de. Le holy iced tea, il n'y a pas d'énergie. Brazil nuts. Ces noix contiennent du sélénium. Une overdose de sélénium. 145. Le sélénium, je sais pas ce que c'est. Mais ok, voilà. Ne mangez pas plus de 145 noix. Du Brésil. Comment tu vas, John? Salut Nono. Salut Matisse. 60 degrés. Ne prenez pas un bain au-dessus de 60 degrés. Ok. 125 millilitres d'eau dans les poumons. Ok. Alors attends, c'est quoi ça? Mésothéliomie, c'est quoi? Abcès. C'est un abcès? Abcestos. Abcestos, c'est quoi? C'est abcès en espagnol? J'ose pas rechercher sur Google parce que je me dis si je tombe sur des trucs infâmes, je vais me faire ban. Donc je vous laisse faire les recherches. Ah, c'est de l'amiante! Ok. Merci. 130-200, c'est les fusées, les gros canons d'artillerie. Ah ouais, donc si t'es trop près, tu peux mourir de. Ah ouais, c'est chaud quand même. Eh, dites-moi s'il y a des trucs que vous saviez déjà. Hein. De la viande. À partir de 100 grammes de viande pourrie. Tu peux mourir. Putain? Ah ouais. C'est pas beaucoup 100 grammes quand tu y penses. Ça se trouve dans les mines. Ok. Bon, tu vas Styx, tu vas bien? Alors, je vous promets, on regarde qu'une vidéo. Hein, parce qu'en vrai, il y en a plein. Ah, mais bon. 20 degrés. Cold. Ok. Si votre température corporelle descend autour des 20 degrés, vous mourrez. Waouh, votre rythme cardiaque descendra à 2 voire 3 battements par minute avant de mourir. C'est fou quand même. C'est ouf. 3 battements par minute. Vous imaginez avec le capteur cardiaque qui a juste marqué 3? Ah bah la salmonellose, ouais. Ça porte bien son nom. À partir de 80 DOL. Ah oui, on avait vu une vidéo sur l'échelle de douleur. Ça cause de l'adrénaline qui peut faire une attaque cardiaque. Ok. Oui, all get lean in our bodies on contamine. Ok, ça j'ai pas trop compris. Lead, je sais pas ce que c'est. La pression atmosphérique, 57%. Ok. Regardez, on a l'info, mesdames et messieurs. La Holy Energy, si vous en buvez. Enfin, je pense que c'est plus la Red Bull parce que la Holy, y a pas de taurine. Donc Holy, tu peux en boire un peu plus. Ah, c'est le plomb. Ah. Ah ouais, putain, c'est rien. 80 mg de plomb par décilitre de sang, j'imagine. Ou alors d'eau. C'est micro, non, c'est microgramme. C'est microgramme, ça, non? Ah ouais! Ah ouais, c'est pas grand-chose. Attendez, il s'est passé quoi avec... Donc, vous pouvez boire 52 Red Bull. Non, non, Holy Energy. Donc, voilà, 50... Vous avez la réponse. 50 Holy Energy avant de claquer, mesdames et messieurs. Pour la viande, ça m'étonne pas, car en bouffant une pizza qui a brisé... Pardon, brisé le cycle du froid, j'étais paralysé 3 semaines, c'est vrai? Impossible... What? Paralysé carrément. Parce que t'as bouffé une pizza que t'as fait cuire au micro-ondes. Nano, comment tu vas? Tu vas bien?
Tu vas bien, Nano? Je suis désolé, Nano, à chaque fois que je te vois, j'ai envie de te demander si ça va, le développement se passe bien, tu vois. J'ai envie de te faire style le mec qui connaît un peu des gens dans le milieu, alors que pas du tout. Ça va très bien, ça va très très bien. Je pense que c'est basé sur un fait divers pour l'energy drinks. Ah bah sûrement, hein. Non, ça ne vous donnera pas des ailes. Ah ouais, et votre cœur explosera. Vous avez l'impression que votre cœur explose. En même temps, 52, ça fait combien de litres? 52 canettes. Ça fait quoi? Ça fait 20 litres? Entre 15 et 20 litres de... Ouais, en une journée, c'est chaud quand même. Ça va très bien, ça va très très bien. Mais du coup, ouais, dans Holy Energy, il n'y a pas de taurine. Donc potentiellement, vous pouvez en prendre plus que 52, tu vois. Donc n'hésitez pas à claquer votre Holy, évidemment. Point d'exclamation Holy dans le chat. Tombez, si vous tombez de 48 pieds. Alors attends, 48 feet, ça fait combien? 14 mètres. Ok, donc si vous tombez de 14 mètres, vous êtes mort. Ok. Oh! La masturbation, vite, quelqu'un claque le 169. Un étudiant brésilien est mort de choc après cette masturbée 42 fois sans s'arrêter. Cause du décès, masturbation. J'avais jamais entendu dire que la masturbation pouvait provoquer la Ah mort. si si si. Donc voilà, vous avez les chiffres, mesdames et messieurs, vous avez le droit de vous branler, et mesdames aussi, hein, vous avez le droit de vous branler 42 fois d'affilée. Mais tiens, ce serait rigolo de voir lequel des deux meurt en premier, tiens. Non mais 42 fois, non mais 42, non mais attendez. 40, non mais attendez, attendez, attendez. Parlons sérieusement, parlons branlette. Oui, on va jouer, t'inquiète pas, j'ai pris le lave en avance exprès. 42 fois. Déjà, non mais déjà. Déjà 5-6 fois. C'est énorme. Enfin, je sais pas ce que vous faites de vos journées, mais 5-6 fois, déjà. Enfin, faut être motivé, je dis pas que c'est impossible, mais faut être motivé, tu vois. Non mais même les meufs, hein. 42 fois. Non mais 40. Non mais tu te rends compte? Non mais c'est le mec tentait un record du monde, je pense. Putain. Bref, comment tu vas, Balmung? Si on perd 40% de notre sang, on meurt. Ok, 40% c'est pas mal, hein, sachant qu'on a combien de litres de sang? On a 5 litres. On a 5 litres. Donc on peut perdre, on va dire, 2 litres de sang avant de mourir. C'est pas mal quand même. Vous pensez que lui, il a combien de litres de sang dans sa bite après 42 fois? Ben voilà, c'est ça en fait. Le problème, c'est que 40% de son réseau sanguin, c'était dans sa tub. Du coup, il est mort. Ah, mais c'est ça. 2 litres, c'est pas mal quand même. 2 litres, c'est pas mal. Aspirine. 39 aspirines. Ok, alors ne le faites pas, hein, s'il vous plaît. Ok. J'ai pas besoin de vous le dire, mais ne faites pas évidemment de quoi on parle. Remplacer du sang par l'alcool, ça passe. Écoute, on va voir. Rhubarbe, si vous mangez. Stoke, c'est quoi Stoke? C'est des pieds? La rhubarbe contient un acide toxique. Oxalique to acide. Qui peut vous tuer si vous en mangez trop. La rhubarbe pour vous tuer, je savais pas. Donc 37 pouces de rhubarbe. Oh la protéine, les shakers de whey, baby! Oh, regardez-moi ce biceps incroyable, regarde ça! Regarde ça, il est pas beau le patron? Putain! Tonton en PLS bientôt. Eh, tonton, il est taillé. Fou! Ah bref, 30 shakers. Ok. Protein powder diet. Ah non non non, rien à voir. Si vous mangez plus rien, si vous mangez plus rien et que vous mangez juste des shakers de protéines, vous êtes mort après 30 jours. Ok. Ben attends, ça veut dire que en fait le mec, à mon avis, il a tout fait. Il sait... À mon avis, c'est ce que le mec buvait quand il se branlait, quoi. Quand tu vas Katsumoto, tu vas bien? Ok. En vrai, ça va, hein. En vrai, 30 jours, c'est pas mal, hein. Les protéines, je l'ai étudié. Ah, c'est à cause des reins. C'est une défaillance des reins. C'est pour ça, du coup, tu claps. Le foie ou les reins. Il y a du poisson dans les pépins de pommes aussi. Du poison, pardon. Alors, il y a du poisson dans les pépins de pommes. Incroyable, Nano. Merci pour cette info. J'ai pas vu, recommence. De quoi t'as pas vu? Ah, le biceps V2. Non. Et c'est pas la branlette, hein, regardez, parce que l'autre côté. Ah, remarque, attendez. Ah merde, le droit est plus développé que le gauche. Bon. Bon, je suis pas encore à 42, moi j'ai de la marge. Ah merde!
Il y a une petite différence entre les deux. Mais ça, c'est quand je pense à... Ça, c'est quand je pense à vos mamans, mesdames et messieurs. Écoutez, moi, j'y peux rien. J'essaie de changer de main, mais c'est pas la même sensation. Je demanderais bien à Thierry, mais... ça va aller, merci. Bon, bref, moving on. Combien de burgers, à votre avis, tiens? Petite prédiction rapide. Non, mais vite, qu'on change de sujet, qu'on parte sur du gameplay, parce que le just chatting, ça me réussit pas. Comment tu vas, Ecartman Land? Ecartman Land, c'est quoi ce pseudo? Ecartman Land, tu vas bien? Bienvenue sur cette chaîne. À votre avis, là, petite prédiction, la modération, entre 20 et 40, entre 40 et 60, entre 60, 80 et entre 80 et 100. Enfin, je sais pas, tu utilises, vas-y, fais comme tu veux. Mais tu me fais ça rapidement, là. Combien de burgers, à votre avis? Si je devais piffer, le temps qu'il vous fasse une petite, petite prédiction, là, si vous voulez vous faire des points de chaîne. Bah, je pense que c'est d'affilée, hein. Je pense que c'est d'affilée. Tu m'as perdu à 20-40. Ouais, bah bref, il n'y a pas de prédiction. Hein. Après, en vrai, c'est compliqué avec les Américains. Non, mais attendez, 30 burgers. Allez-y, il y a une prédiction, mesdames et messieurs. Si jamais c'est pas entre 20 et 100, on annulera la prédiction, c'est pas grave. Allez-y, il y a une prédiction. Comment tu vas, PTDR, tu vas bien? Salut Noli, un petit bout de pain, installez-vous, salut Nini, Yutsko, Namex, tous ceux que j'ai loupés, Soso, Célastriel, comment ça va? Installez-vous, on est sur un contenu incroyable, mesdames et messieurs, ça, limite j'ai envie de le mettre sur YouTube, tellement c'est magnifique, incroyable. Alors, on va regarder, les hot dogs c'est plus sûr? Ah je sais pas, hein. Moi je préfère les burgers hot dogs. Plutôt kebab ou plutôt burger dans le chat? Plutôt kebab ou burger? Putain, on va se donner faim, le live va pas commencer. Comment tu vas, Chilo? Tu vas bien? Attention, hein, vous mettez ce que vous voulez dans le kebab, mettez ce que vous voulez dans le burger. Hein. Kebab, burger, burger, kebab. Ouais, c'est serré. Hein. Burger, t'as plus de choix. Ouais. Bon, après, dans le pain à kebab, tu mets ce que tu veux quelque part. Ouais. Allez, c'est bon, la prédiction est finie. Mesdames et messieurs, la réponse est... 27! 27 burgers. GG. 27 burgers. Le Deliveroo est déjà commandé, tu m'étonnes. Tu m'étonnes. Alors moi, il livre pas jusqu'au Japon, malheureusement. Mais bon, un petit Uber Eats. Hein. Plutôt raclette. Ouais, non, mais ça, j'aime bien. C'est les gens qui répondent à côté. T'sais. Il y a toujours des gens comme ça dans le chat qui croient être, tu vois, plus intelligents que les autres. Qui... Ou alors, je sais pas, mais qui sont en mode... Mais dis donc, vous préférez les chewing-gums à la fraise ou à la menthe? Moi, j'aime bien... Moi, j'aime bien le... qu'est-ce qu'il pourrait dire? Je sais pas, moi. Moi, j'aime bien le... la choucroute, tu vois. Les mecs, qui répondent à côté, ils ont rien compris. Bref, on y va. 27. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Antifreeze. 25 ml. Ah oui, ne buvez pas de l'antifreeze, mesdames. Des pommes! 22? What? Ah oui, c'est ce que tu disais. Il y a du... Ah oui, il y a du cyanide. C'est quoi, du cyanure? Et oui, il y a du poison dans les pépins de pommes. Donc si tu manges 22 pop, tu meurs. Ok. La bière, Tutis. Tutis, combien de bières tu meurs? Ah bah là, non mais attendez, ça c'est pour Tutis. La bière, c'est pour Tutis. Les pommes sont plus mortelles que les burgers. C'est ouf quand même. Le cyanure, pardon. J'ai dit quoi? Si, j'ai dit cyanure. Combien de bières, Tutis, combien de bières? Donne-moi un chiffre. Donne-moi un chiffre, Tutis. 20? 20 bières? Merci à tous. Je n'ai jamais douté. Merci beaucoup, Carlotte. Merci énormément pour ton... quatrième mois, ça fait grand plaisir. Je vous rappelle, mesdames et messieurs, pendant September, si vous prenez 6 mois d'un coup en tant que sub, ça vous fait 2 mois gratuits. Vous payez que pour 4. Non, pas de sondage. Tutis a dit 20. Tutis a dit 20. Mais quel boss! Mais quel boss! Mais cet homme est un génie! Mais quel boss! Mais quel boss ultime! Holy shit! Incroyable. Tutis, tu serais pas modo, je te passerai VIP. Incroyable, cet homme est incroyable. Ah ouais, non mais Tutis, il s'arrête à 19, c'est un pro type, hein. Bien sûr. Cet homme, point faible, trop fort. Et trop rebou. Oh là 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 là. Quoi, ce sondage est français, c'est nul. Ce sondage est français, c'est nul. J'ai rien compris, le belé. Des bisous. Incroyable, Tutis. Incroyable. Le record d'Afon en 5 minutes, j'ai déjà eu 37, alors forcément plus. Qu'un expédieux, je t'offre la 16e. Ah ouais, incroyable. En Belgique, on prend 37 bières en 5 minutes. D'accord.
Eh ben, il y a des problèmes. Vous avez des problèmes. Eh non, mais ils ont dû faire ça sur des ricains. Les ricains, ils savent pas boire, quoi. Mais du coup, à mon avis, c'est 20 pintes, mais d'affilée sans s'arrêter, tu vois. Mais je pense pas que ce soit la bière qui tue. Je pense que c'est la dose de liquide, non? Je sais pas. Bref. 18 ans. Passer 18 ans tout seul, ça vous tue. Être tout seul est aussi mauvais que de fumer 15 cigarettes par jour. Oh, et encore, imagine les gens tout seuls qui fument 15 cigarettes par jour. Incroyable. Si vous passez 16 heures sur le mont Everest, vous manquez d'oxygène. Ok. Putain, intéressant. Sexe! Vous êtes prêts? Les filles, est-ce que vous êtes prêtes les filles? Vous êtes sur le point de voir que des menteurs dans le chat. Vous êtes prêts? Vous allez voir que des menteurs, préparez-vous. Préparez-vous, il n'y a que des menteurs. Ah, quand tu as Macha, tu vas bien? Salut Flou Flou! Pour les peintes, c'est plus les Allemands avec les fêtes traditionnelles. Ah ouais, non mais commencez pas la guerre belge-Allemagne. Hein. Attention, hein, puisque de toute façon, à la Belgique, les bières sont bien meilleures. Vous êtes prêts? 15 heures. Ah oh, mais 15 heures, mais c'est rien du tout 15 heures. Mais moi je m'en souviens que j'avais fait ça avec 4 filles différentes à la suite pendant 18 heures. Non mais bien sûr. Ah là là. Mais bien sûr, je m'étais branlé 42 fois avant en plus. Non mais 15 heures, mais c'est... Mais bon là là, mais c'est n'importe quoi. Mais je l'ai déjà fait pendant beaucoup plus que ça. Bien sûr, je l'ai même fait avec... voilà. Non mais voilà, je... Je préfère être le beauf du chat plutôt qu'avoir un chat de beauf. 15 heures. Ah ouais, 15 heures quand même. Sexe peut être dangereux, spécialement pour les vieux monsieur. Ah, il faudra le dire à Mr. MB. Attention, ça peut causer des problèmes de cœur. Ah bah ouais, c'est le cas de le dire. Malcha, tu vas bien? Sokiaya, tu vas bien? En tout cas, installe-toi, Floflo. Fake Taxi, tu vas bien? Salut, Scarlock. Scarlock, pardon. Ok, c'est pas mal. C'est pas mal. En une heure, la clope est déjà allumée, bah, bien sûr. Bien sûr, je viens de la comprendre. Wouh! Merci beaucoup, Shadow, pour le sub offert à disque dur. Merci énormément. Bon, bah voilà, des bisous. Incroyable, non mais incroyable. Des amandes amères. 12 amandes amères peut te tuer? Ah ouais? Ah, il faut les faire chauffer pour enlever le cyanure qui est à l'intérieur. Mais t'imagines le mec qui a goûté pour la première fois qui savait pas? Incroyable, le mec est mort à cause d'une amande quoi. Putain, je savais pas. Tu dois avoir la choune dans un état. 15 heures à te faire ramener. Bah, je peux te dire que la cheminée de Mary Poppins, c'est beaucoup moins propre que la tienne pour le coup. Hein. Hey, attendez, vous voulez que je continue? Hey, je peux te dire qu'il n'y a pas le Père Noël qui passe dans la cheminée. Hein. Non, mais des blagues sur les cheminées, j'en ai plein. Ah ouais, c'est le 25 décembre tous les jours dans ta schneck. Ouais, on continue. On continue et bientôt on va se transformer en Altair. Des bisous à lui évidemment. J'en ai mal au ventre. Oh putain. On est bon? On continue. Salut White Bro, des bisous à tous ceux qui viennent d'arriver. 11 jours. 11 jours sans dormir peuvent provoquer la mort. Wow, la paranoïa, des hallucinations. Et c'est chaud quand même. Je sais pas si Eris est là, mais je crois qu'elle a déjà passé 7 jours sans dormir. Il paraît que le cyanure sent l'amande. Méfiez-vous si ça sent l'amande alors que le plat ne devrait pas le sentir. D'accord, c'est bon à savoir. C'est bon à savoir. Ouais, c'est chaud quand même. 11 jours, c'est chaud. Putain, déjà, moi, j'arrive pas à... Moi, ce qui est chiant, c'est que je m'endors très facilement. Mais très facilement, tu vois. Tu vois, là, je peux aller me coucher, je m'endors. Par contre, j'arrive pas à dormir longtemps. Ça me... Et peu importe si je suis explosé ou pas, tu vois. Tu vois, mon réveil sonne à 4h30, je me suis réveillé à 3h ce matin. Alors que je me suis couché à 22h, je sais pas. Bref. Mais je suis pas insomniaque, tu vois. C'est juste que j'arrive pas... Ma femme, elle peut dormir entre 10 et 15 heures sans problème. Moi, j'arrive pas à dormir plus de 6 heures, tu vois. 23 ans, je suis déjà trop vieille pour faire plus d'une nuit blanche. Non, mais ça, les nuits blanches, moi, j'oublie, hein. 10 minutes sans oxygène, vous pouvez survivre. Le record est de 22 minutes. N'essayez pas chez vous. Okay. Alors 22 minutes, ça doit être en apnée, du coup, j'imagine. Okay. Ça doit être une moyenne, en vrai. Ça doit être une moyenne. Mais tu vois, si je fais une nuit blanche, moi, je vais dormir 8 heures après. Tu vois. J'arrive pas à dormir longtemps.
Ah, la gym, 10 heures, bon, ça va. En vrai, c'est normal. Déjà, la gym, si tu tiens plus de 2 heures, c'est que tu fais pas ton entraînement comme il faut. Hein. Je te le dis tout de suite, si jamais toi, tu vas à la salle. Si tu passes plus de 2 heures, c'est que tu t'entraînes pas comme il faut. Ou alors, tu fais tous tes petits muscles un par un. Et encore. Yeux blancs. Tu vas bien? Du fougou, mesdames et messieurs. J'en ai mangé du fougou. 10 grammes. Ah ouais, parce qu'il y a du cyanure aussi. Du cyanure de potassium qui est... Ah non. Ah non, c'est 1000 fois plus violent que le cyanure de potassium. Incroyable. 7 jours. Plusieurs personnes sont mortes d'épuisement après avoir fait des marathons pendant 7 jours de gaming. Ah, faut qu'on fasse gaffe du coup. Je vais très bien, je vais très bien. Cette vidéo est incroyable. Ah, attends, c'est quoi ça? Si vous faites toucher merci par 6 inch de tentacule. Alors attends, 6 inch en mètres, en centimètres. Ça fait 15 cm. Donc si vous avez une tentacule de 15 cm qui vous touche, vous pouvez mourir. Ok. Enfin, moi je l'ai compris comme ça. Ouais, ouais, c'est une méduse, c'est une méduse, j'ai compris. Le fougou, c'est pas très bon, mesdames et messieurs. Je... La tétrodotoxine, ok, merci. Merci beaucoup la fouille, putain, 20e mois déjà. Merci énormément et merci encore Shadow pour le subwoofer. C'est pas très bon le fougou, j'ai testé en sushi, en sashimi, comment t'appelles ça? En shabu shabu. C'est pas si bon que ça. C'est de loin mon... C'est de loin pas mon poisson préféré quoi. Comment tu vas, Félinédra, tu vois? C'est quoi le plus long marathon que t'es fait, Thibaut? 43 heures. Sans dormir, sans pause. 5 heures, enterré vivant, c'est 5 heures, mesdames et messieurs. Oh, putain, tu te vois crever pendant 5 heures, c'est long quand même. Hein. Quand tu vas Ishtar, salut Gaël. 5 minutes étranglé, ok. It kills quicker than choking because blood is blocked. Oh, ça, je savais pas, tu vois. Quand tu te fais étrangler, tu meurs à cause d'un manque de sang dans le cerveau plutôt qu'un manque d'oxygène. Ou de, tu vois, ça je savais pas. Enfin, j'y avais jamais vraiment réfléchi, tu vois, mais... Ah, donc c'est à cause du sang. C'est pas à cause du manque d'oxygène. Ok. Les radiations. Ah bah là, oui, ok. Ça peut vous causer le cancer. Le fentanyl, je sais pas ce que c'est. Ça doit être un antidépresseur, un truc comme ça, non? 3 mg. Oh! Sans chier des grosses caisses. 2 semaines. Deux semaines, si vous chiez pas pendant 2 semaines, vous pouvez mourir. Et 2 semaines, c'est long quand même. Moon, comment tu vas? Tous ceux qui follow pendant qu'on regarde ça, là, c'est incroyable. Le fentanyl, c'est une drogue? Ah non, mais c'est pas un médicament? Ok. Au bout de 10 minutes, tu commences à avoir des taches bleues sur le corps. Je participais à une session d'assises pour le savoir. 10 minutes de quoi, Rick? Pardon, j'ai pas suivi. 10 minutes de strangulation? Ah, c'est la drogue ajoutée à la meth. Ok. Comment tu vas, Hermès, tu vas bien? 10 minutes d'étranglement, ok. Non mais en vrai elle est incroyable cette vidéo. Occlusion intestinale, bah ouais ça m'étonne pas, salut Akaras. Adrénaline. Si vous avez plus de 1,5 mg d'adrénaline, ça fait vos reins. Ok, du stress et tout. Ok. Rabide. C'est quoi rabide? C'est la rage? Attends, rabide. Mais en... le type le met, il me le met en japonais, je le veux pas en japonais. C'est la rage. Ah merde, mais du coup il me l'a traduit. Attendez, la rage ça tue à 100%? Je savais pas ça. La rage ça tue à 100%? Le fentanyl c'est un antalgique 30 fois plus puissant que la morphine, d'accord. Ah ouais, c'est marqué un 100%. Ah je savais pas. Ah ça t'empêche de pouvoir boire, ok. Si t'es pas traité à temps c'est mort. Ah bah ouais, c'est le cas de le dire. Mike Tyson, un punch. Ah bah oui, Mike Tyson, s'il vous met une droite bien placée, vous êtes mort. Bah à vrai, n'importe quelle droite bien placée, vous êtes mort. J'étais déjà follow, juste je me suis fait hack. Ah d'accord, et bah écoute Moon, re-bienvenue pour le coup. Du plutonium, 0,5 g. Ok. Alors ça vous tue instant. Le corona, 0,05 g. Non mais là, ils abusent quand même. Ah et puis le corona, il... Enfin, je sais pas combien c'est le pourcentage de mort sur le corona, mais c'est pas très élevé quoi. Le remède contre la rage, c'est pas des injections pardon, d'aiguilles violentes dans le bide? Et t'es pas sûr que ça marche? Je sais pas du tout. Waouh, le poison de la grenouille fléchette. Fléchette, dart, c'est fléchette, je crois. 0,002 mg. Putain, incroyable. Incroyable.
Voilà YouTube, et vite en tout cas, si je la mets sur YouTube, très intéressante cette vidéo. Qu'est-ce qu'on a appris? On a appris qu'il faut éviter que tu te branles 42 fois par jour, en une fois, parce que tu vas mourir. Ne bois pas plus de 20 pintes de bière. Ne mange pas plus de 2500 M&M's. Tu peux boire environ 50 au lit. Et oui, au lit, la boisson sans taurine, aux arômes naturels, sans sucre et tout. Là, les liens en description. 50 par jour avant de mourir. Qu'est-ce qu'on a appris d'autre? On a appris d'autre qu'il ne faut pas toucher les grenouilles. Et qu'il ne faut pas faire du sexe pendant plus de 15 heures. Mais je sais très bien que vous l'avez tous fait pendant plus de 15 heures. Bien sûr, vous êtes des BG. Des bisous YouTube. Tu ne verras jamais cette vidéo, mais je te fais des bisous quand même. Incroyable.